Bonjour et bienvenue. Ceci est très certainement la dernière vidéo Matmon Style de la chaîne à la Minute Mad, parce que j'ai créé une deuxième chaîne qui s'appelle Au secours de français et où iront les vidéos sur les figures de style. Et oui, donc va t'abonner à cette autre chaîne si tu veux continuer à avoir des vidéos sur les figures de style et sur d'autres choses autour du français, bien sûr, il n'y aura pas que ça. Et donc aujourd'hui, nous allons parler du mot valise. Valise, et oui, on peut appeler ça une figure de style, un mot valise, parce que ça fait appel à l'imagination et à la créativité. Et puis finalement, c'est assez expressif, un mot valise. C'est Lewis Carroll qui a inventé le terme portmanteau word dans son roman À travers le miroir, la suite d'Alice au pays des merveilles. Mais le concept existait déjà bien avant. Mais au fait, c'est quoi finalement un mot valise? C'est un mot créé à partir de deux mots déjà existants et qui ont une syllabe, quelques lettres, ou même une seule lettre en commun. Et quand on les assemble, ça forme un mot qui contient un peu des deux sens des mots d'origine. On peut les associer l'un collé à l'autre, comme dans célibatante, célibataire et battante, hebdomadaire, hebdomadaire et dromadaire, c'est un chameau à sept bosses. Proème, prose et poème, ou l'un inséré dans l'autre, comme ridicoculisé, ridiculisé et cocu, embelmerdé, emmerdé et belle-mère, c'est une sorte de néologisme bien particulier. Souvent il reste éphémère, hein, comme une blague, ou pour donner un effet décalé humoristique, mais parfois il reste et est adopté par la langue, comme par exemple motel, motor car plus hôtel, franglais, français plus anglais, informatique, information plus automatique. Mais attention, hein, ce n'est pas du novlangue, hein, parce que les mots d'origine restent quand même, et le mot valise est là pour enrichir la langue d'un mot nouveau. On croise des mots valises dans la pub, car ils ont un effet qui peut être marquant pour la mémoire, sportez-vous bien, sport plus sporté, mais aussi on les utilise pour nommer certains hybrides, comme le lion plus la tigresse, c'est un ligre, ils ont un i en commun. Mais là, effectivement, on sort un petit peu du domaine des figures de style. Alors moi, je trouve ça un peu dommage que le terme mot valise ne soit pas lui-même un mot valise. Alors j'aimerais que vous essayiez de me trouver, vous, un mot valise. Pour le mot valise, par exemple, je sais pas moi, un mologisme pour mot plus néologisme, mais celui-là il est pas beau, donc allez-y. Je vous écoute, enfin je vous lis. Allez, à bientôt, et on se retrouve sur la chaîne Au secours de français pour les prochaines vidéos sur les figures de style. Je sais pas pourquoi je parle haché comme ça. À bientôt, abonnez-vous.